اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمعافاة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. نتابع في هذه السلسلة المباركة حول الأبناء وتربية الأبناء وأن يكون الأبناء قدوة إن شاء الله تبارك وتعالى. أه بيان سيغ أون إن شاء الله À suivre dans notre doros, dans notre cours, sur l'éducation des enfants. Notre époque, bien sûr, c'est plus l'époque d'avant. Notre époque actuelle, hein, l'heure actuelle, et notre époque, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile qu'avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut euh, choisir comment il faut éduquer ses enfants. Ça, c'est des phrases Inch'Allah, pour les parents. Comment il faut éduquer ses enfants D'abord, quand on a des enfants, c'est une charge. Des enfants, c'est pas seulement on a des enfants et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Non, on a des enfants. Pourquoi on dit les enfants, ils vont à l'école pour apprendre des choses Alors la maison, c'est la, la, la première école, c'est la, la première école pour les enfants. إلي les parents, c'est les premiers, c'est les premiers pour les enfants. هذا من جهة. ثم من جهة أخرى نتكلم على الأولاد اللي يكونوا إن شاء الله قدوة. الولد لا بد أن يختار أولا وقبل كل شيء بعد أن يعرف لا بد أن يختار الرفقة الصالحة لأن الرفقة كما جاء في الحديث الصاحب يصحبك إما أن يصحبوا للخير وإما أن يصحبوا للشر فلذلك لا بد أن يختار الولد الرفقة الصالحة وكذلك البنت تختار الرفقة الصالحة لأن بالرفقة الصالحة كما يقول المثل العربي لا أسأل عنك ولكن أسأل عن رفقائك المثل العربي يقول هذا المثل Donc, pour Euh, être un enfant idéal, un enfant exemple, d'abord il faut choisir ses amis. Et il faut choisir ses compagnons. Nous, subhanallah, euh, on grandit dans des milieux qu'on ne sait pas les enfants comment ils sont et on va les suivre. Ça, ce n'est pas bien. D'abord, quand tu vois quelqu'un qui te tire, qui te tire, hein, vers les, les malfaisances, ça, cet, ça, ça, cet enfant ou son compagnon, il faut le laisser tomber. Il faut pas le suivre. Tu vois un enfant, SubhanAllah, qui tient à la religion, tu vois un enfant qui respecte les gens, à l'école, qui respecte les, les enseignants, qui respecte euh, les professeurs, ça, c'est un enfant à suivre. Tu vois un enfant... كي كي يحترم تصارام كي كي يحترم الأشخاص المسنين حتى في الشارع هذا سر يجب أن نتبعه يجب ان نأخذه كصديق كمثال هذا من جهه ثم الجهه الاخرى لا بد ان نتذكر بالحديث وهذا لا بد على الاباء ان يبينوه لابنائهم الحديث ماذا يقول وهذا حديث صحيح كذلك يسال عن رفيقي الخير ورفيق السوء او جالس الخير وجليس السوء جليس الخير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه جليس الخير كبائع المسك بائع المسك عندما تكون بجانبه اما ان يهديك شيئا من الطيب وربما ان تشتار منه وربما الوقت اللي راك معه Donc, on parle de, de, du compagnon, le, le, de, le, le, le bienfaisant. Le compagnon, le bienfaisant, c'est comme quelqu'un dans le hadith, la tradition de hadith, c'est comme quelqu'un qui vend des parfums, qui vend le musc plutôt, parce que le musc c'est le meilleur des parfums. Alors, quand tu es à côté de ce, de ce vendeur de parfum ou de vendeur de musc, ou bien tu vas acheter du musc, ou bien il va te donner un peu de musc ou de parfum, ou bien pendant le, le temps que tu es avec lui ou tu es à côté de lui, tu vas respirer ou tu vas sentir que du bon odeurs. Par contre, là, j'espère le ce comme j'ai dit dans le Hadith هذا نافخ الكير ماذا يفعل عندما تكون بجانبه تشتشق الروائح الخبيثة ربما تطير عليك شرارات من النار تحرق الثياب ديالك وربما تحرق حتى الثوب انتعك. هكذا السو. Donc dans le aussi, رفيق السوء دونك دون لو حديث سي رفيق السوء وجليس السوء لو كومبانيون لو مال فيزون سو كي في دو مال pendant le temps que tu es à côté de lui, C'est comme si tu es à côté d'un forgeron, celui-là qui fait le fer, qui travaille le fer. Pendant ce temps-là, ou bien tu vas recevoir des étincelles, tu vas recevoir des qui vont brûler tes habits, ou bien ta peau, ou bien pendant le temps que tu es à côté de lui, tu vas respirer que du mauvais odeur l'odeur du feu. من الشاب ومن الشابه اذا ارادت ان تكون مثاليه وان تكون يعني على الطريق المستقيم لابد ان تختار الصالح لان تختار الرفيق الصالح تختار الجالس الصالح ويختار الجالس الصالح والرفيق الصالح لان القدوه هي تجلب الانسان الى ما هو يعني يرافق Donc il faut choisir. Si tu choisis les gens qui sont dans le bienfaisance, alors tu vas être avec eux dans les bienfaisance. Et si tu es bien sûr à côté ou à, tu, 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 tu fréquentes les gens qui dans, dans les, les malfaisances tu vas être avec eux. Wa les anarovka ou l'accompagnement s'attirent beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens et on ne sait pas à la fin où on va tomber. Donc il faut, l'enfant, il faut qu'il ait un respect total pour ses parents, un respect total pour les voisins dans la rue, un respect total pour les enseignants qui soient dans l'étude primaire. Ou au secondaire jusqu'à la fin il faut qu'ils respectent bien et ça on avait parlé déjà euh, dans, dans une dans un dars avant on a dit que même l'enseignant subhanallah, c'est parmi les gens qui, qui méritent qu'on fait beaucoup de deh pour eux c'est des gens qui, qui nous ont enseigné qui nous ont euh, qu'on a appris beaucoup de choses avec eux inshallah et ça il faut le, le il faut les respecter لي ديكاسيون، إن شاء الله تبارك وتعالى تيسوا أن ميور انفون، وتيسوا تيسوا أن اكزومبل شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أبناءنا وأن أبناء المسلمين أجمعين إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين.